Avec les années qui passent, forcément, forcément tu changes. Ton corps vieillit, j'ai moins envie de m'entraîner. Je suis moins fou aussi. J'ai tellement grimpé que c'est devenu beaucoup moins vital. Étonnamment, il y a des fois, ça me reprend. J'ai envie de faire des bonnes sessions d'escalade. Alors que des fois, je me dis, c'est fini, quoi. Maintenant, on va laisser tomber, ça va passer à autre chose. J'ai 71 ans. Ma vie, ça a été d'ouvrir des voies, de grimper. J'ai un master en cailloux. Je pensais pas arriver vieux quand même. J'ai dit non, c'est pas possible avec les risques que je prends. Jamais j'arriverai à la retraite. J'ai été très chanceux. Toutes les pierres sont tous passées à côté de ma tête. On n'a jamais eu une que... Enfin, j'ai eu des petites qui sont tombées sur ma tête, mais pas trop. Ça a toujours été quelqu'un de chanceux. J'ai eu des glaçons qui sont tombés. Et non, ils sont toujours tombés à côté. Je suis quelqu'un qui est... Pour moi, ça, j'ai envie de leur amener cette chance aux grimpeurs. Je n'ai jamais comptabilisé le nombre de voies que j'ai équipées. J'en ai plusieurs centaines. Je les ai toujours fait bénévolement. Et puis, je suis devenu vite addict à l'équipement et puis à la grimpe. Au début, c'était un moyen de grimper sans faire des kilomètres et des kilomètres. On avait tout à côté de soi. Les falaises ici en Valais sont immenses. Je trouvais que c'était bien d'avoir des trucs à proximité. Ben, j'essaie de regarder s'il y a encore des cailloux. Celui-là, hop là. C'est peut-être que... Ça va, je crois que ça commence à être propre par là. Si on me dit que quelqu'un a vu une pierre qui bougeait, alors pour moi, ça peut être mon moral. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui se ramasse une pierre sur la tête. Donc là, automatiquement, je viens venir comme ça le soir, par exemple. Pour moi, c'est extrêmement reposant. C'est une forme de méditation. Tu penses qu'à tes bricoles, à nettoyer ta petite voie, à essayer de trouver ton itinéraire. Quand t'es seul, t'as aussi l'imaginaire qui travaille beaucoup plus. Des fois, je commence à observer, je dis « Ah, mais là, il y a encore une ligne. » Je regarde un peu, j'imagine les mouvements, etc. Et puis, ça me donne des idées pour la suite.
Il y avait mon cousin qui avait commencé à attaquer dans ce domaine en équipant des voies. Malheureusement, il a décédé très vite. Il était une année plus jeune. Il avait 23 ans quand il est décédé. J'aurais dû aller skier normalement avec lui le jour-là. Lui, il voulait aller à Champé. Puis moi, j'ai pas voulu aller là-haut. J'ai préféré aller à Bruzon, c'était moins dangereux. Il est quand même allé à Champé, puis s'est tué là-haut. C'était dur parce que là, t'es confronté à la mort, quoi. T'es dit, merde, quoi, ça peut t'arriver à toi. C'était quelque chose d'assez violent. J'avais pas pu l'embarquer avec moi dans mon histoire. J'ai un petit côté comme ça, que je suis assez protecteur, que je veux avoir, et puis ça n'a pas marché, quoi. Ça m'avait miné, quoi, ce truc-là. C'était terrible. Je me suis retrouvé vachement seul. Et puis, je me suis dit que là, si j'allais ouvrir des voies, j'arriverais à trouver des jeunes pour venir grimper avec moi. Elles sont pas al dente, celles-là. Jean-Marie Pourcelana, je le connais depuis qu'il est gamin. Bon appétit, Jean-Marie. Voilà. Bon appétit, les amis. Ça fait partie de toute une espèce de ma petite famille de grimpeurs, hein, que j'ai formé. Donc Eric Paul, ça s'est formé tout seul, mais je pense que j'ai pas eu besoin d'être là. J'étais juste une source de motivation. Tu étais pas une cheville, t'en as pour une année maintenant, avec les vieux os. On essaye de régulièrement de faire quelque chose, garder dans son jardin des personnes comme ça. Ouais, exactement. Let's go. Ça va le faire. On se rattrape. En tout cas, la journée est superbe. Et moi, en tout cas, je la sens bien. Avoir la face, hein. Je pars sur la gauche. Je vois comme une crosse, là, comme ça. Il est trop, Jérôme. Et là, waouh. Ah, c'est chaud. Allez, bon. Passez les trous, hein. Assez de blabla, je vais attaquer. Alors, j'ai rencontré Lucien. Il était vraiment connu dans le milieu de la montagne et en Valais. Impressionnante parce que c'est un personnage, Lucien. C'est un colosse. On a l'impression qu'il sort d'une mythologie. Il est là avec ses grosses paluches, il est là avec sa taille, avec ses appétits. Et puis très très vite, il nous prend, il nous pousse en avant. En gros, nous dit, bah, écoute, viens, essaye. Essaye de vivre ton rêve, pas de le rêver seulement, quoi. Du bleu. En haut, pas trop. Ouais. Voilà, là, ça c'est du 8. Hein. Allez, Lucien, fais-toi plaisir. Ouais, on est quand même chargé comme des bêtes. Quand on parle, on s'est ici. Allons. C'est profond, là. Les bons vieux verrous. Il met une paluche. Oui. Et puis nous, on met quoi? On met les deux, une à côté de l'autre, pour arriver à sa taille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Son style de grimpe est pas très académique. Il va utiliser des techniques assez particulières, avec les pieds, des mouvements. Ils sont vraiment difficiles à reproduire. C'est assez facile de reconnaître Lucien, même de loin, quand il grimpe. Alors après, en fissure, il arrive... Moi, je dirais à une quasi-perfection, hein, dans les verrous et tout ça, il est très très fort. Ouais. Allez, Lucien. Allez. Bien, super. Nous étions jeunes et larges d'épaules. L'escalade, c'est très très riche comme sport. Ça fait travailler à peu près tous les muscles du corps. Tu penses à rien d'autre qu'à grimper.
Ça procure aussi des sensations de joie, comme la méditation, pareil. Non, là, il faut... Ça va. Elle résonne, mais ça va. J'ai pas peur de chuter, j'ai confiance aux cordes, j'ai confiance au matériel qui est posé. Donc tu peux y aller. Je devais avoir 22 ans quand j'ai fait la grande connaissance de Lucien. À cette époque-là, les alpinistes ou les grimpeurs, on ne devait pas tomber. Et Lucien a tout de suite compris que cet enjeu d'escalade libre, ça allait être l'avenir. Et pour ça, il faut chuter. Il a démystifié ça. Et c'est là que ça m'a fait le déclic. Le déclic, d'abord, de cette nouvelle grimpe. Puis le deuxième déclic, équiper des voies. Lucien a découvert des lignes qui sont absolument extraordinaires. Elles sont belles par l'esthétique, elles sont belles par la gestuelle de l'escalade. Et Lucien avait ce sixième sens de trouver ces lignes qui sont pour moi des bijoux. Je te dévache. Ici, c'est une voie que j'avais commencé avec Eric. Et c'est un enchantement que Lucien participe à ce projet. On est toujours dans le train de quand il a équipé ou moi j'ai équipé, il veut venir essayer. Et c'est quelque chose pour moi qui compte. Et voilà. À toi, Jean-Marie. La ligne est intéressante, hein? C'est quand même rude. Les fissures, elles ne se grimpent pas si facilement que ça. Après, ça vient tordu. Et pire, c'est le surplomb. J'ai une prise qui m'a pété dans la main. Je me suis retrouvé comme un saucisson, ce surplomb. Donc, il fallait que je me démerde un peu par mes propres moyens pour arriver à rechoper le rocher. Je te prends, hein, Lucien. Ouais. Quand on a fait des journées comme ça, on a quand même eu un peu d'adrénaline, on s'est quand même beaucoup dépensé dans des cadres magnifiques. On arrive dans une zénitude totale. Dans un autre monde, dans un monde de rêve. Chemin dessus, je n'ai jamais trop bougé de ce village. Donc mon père était agriculteur, on était pauvres. Pour moi, c'était très confortable d'avoir des parents aimants, d'avoir toujours à manger. On était des enfants, donc chacun devait aider. Santé. Santé. Tu veux regarder ici? Au passé. La grande sœur, c'était vraiment une aubaine pour nous. Elle nous amenait le fric. Elle gérait énormément de choses dans le... Heureusement qu'elle était là, maman, elle ne pouvait pas suivre. Elle donnait vraiment un grand coup de main à maman. Moi, elle m'obligeait à aller à la messe. Hein. Bon. C'était plus important de réciter le chapelet le soir que de se laver les dents. Hein. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'on n'avait pas de brosse à dents à ce moment. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Non. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. On n'avait pas de brosse à dents. On économisait l'eau. Si, à nous, là, une fois par semaine, tous dans le même baquet, un après l'autre. Il aimait sa liberté, il n'aimait pas trop qu'on le commande, déjà à 6-7 ans, je pense. Oui. «
L'école en soi-même, ça ne me posait pas trop de problèmes, c'était l'autorité. Mais il fallait quand même avoir un papier. Donc j'ai fait un apprentissage de commerce. Et j'étais travaillé dans une fiduciaire. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas mon truc d'être comptable. Donc à 22 ans, j'ai tout plaqué. J'ai senti un grand vent de liberté. Il aimait la montagne, grimper. Il aimait pas trop travailler dans la société, donc il n'y avait rien de mieux que la liberté. Il a été un homme heureux sur ce point-là. Au début, ça n'a pas été facile. Il fallait quand même pas mal résister à une pression sociale. Les vieux de l'époque ne comprenaient pas que je fasse de la montagne, de l'escalade sans être guide. Pour eux, c'était, il fallait gagner leur vie. Quoi. Ils avaient vécu durement. Comme ça, que tu puisses avoir cette oisiveté, comme ça. Pour eux, c'était à contre-courant. J'étais un bon à rien. Alors, ce qu'il faut, c'est le sculpter l'arbre, parce que j'ai pas le soleil avant midi, donc il faut les raccourcir. Mais l'idée, c'est de lui donner une belle forme. Lucien, il a fait des boulots difficiles, parce que ça payait bien d'une part, donc ça permettait de travailler peu de temps, puis qu'il avait le physique pour. Il a fait aussi bien... Je me souviens une année travailler dans un pressoir pendant les vendanges. Il faisait des travaux acrobatiques. C'était travailler le minimum pour grimper le plus de mois possible dans l'année. Voilà, puis après, bon, moi, je me suis mis à faire des films. Action ! Coupé ! C'était très joli ! Et donc, tous les films que j'ai tournés qui se passent en montagne, en particulier les fictions, c'est lui qui gère la sécurité, qui met en confiance les acteurs. Et comme il est excellent, il a tout de suite été demandé sur plein de films. Il y avait des cascades dans les films. Donc là, il fallait que je trouve toutes les doublures pour faire les cascades. Et puis après, par la force des choses, c'était assez pratique d'être acteur. Plutôt que de chercher une doublure, donc si je pouvais jouer un rôle, c'était plus facile. Combien de temps jusqu'au sommet? Encore une heure. Mais une heure plus une heure, ça fait deux. Et dans deux heures, il y aura intérêt à être au-dessus des surplombs, croyez-moi. J'ai payé pour faire les drues. Et ça fait deux fois que je les rate. Moi, je suis aussi payé pour vous ramener dans la vallée. Pierre-Antoine dit que j'étais un mauvais acteur. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Ouais, on m'a eu changé les... À cause de mon accent, on m'a eu mis des autres voix. Forcément, ça sonne fou. Hein, c'était pas juste. Tu te coupes pas, hein. T'as pris des risques aujourd'hui, t'as pris des objets tranchants. Un jour, ma mère m'appelle, elle me dit « Il y a Lucien Abbé au téléphone !» J'étais tout gamin, alors moi c'était comme si, voilà, le maître absolu m'appelait. Donc j'étais tout « Qu'est-ce qui se passe ?» Puis il me dit tout simplement « Tu veux pas venir grimper ?» Voilà, et j'ai dit « Si, si, bien sûr !» Sa technique, c'était d'emmener les jeunes dans des trucs trop durs pour voir s'ils se bagarraient, s'ils avaient un peu la niaque ou pas. Et j'étais très admiratif de sa liberté de pensée et de vie. Ça a planté une graine et je me suis dit, je vais faire comme lui, je vais faire ce que j'ai envie, je vais faire des films. Et on ne s'est plus quitté, puis ça fait maintenant, je sais pas, plus de 45 ans. Qu'est-ce que tu en penses? On a de belles choses à partager ou pas? J'espère bien. Il a encore la forme d'un jeune homme. Alors, il s'énerve parce qu'il met un petit peu plus de temps à récupérer. Et ça l'énerve. Mais à part ça, il est encore comme un jeune homme. C'est écœurant pour les autres. Voilà,
Ah, là, ben, on est mani. C'est magnifique, ça, attends, regarde. T'as vu comme elle est belle, là. Hein? Hein? Là, dans le four. On a changé, hein. Okay. N'empêche. Mais là, il fallait pas s'en mettre une, hein, en tout cas. Mais tu vois... Parce que là, franchement, je t'écrase, là, je tombe. Tu me retiens pas. Moi, je t'ai trempé dans les bras. Il se serait levé, il t'aurait failli. Ah ouais, non, mais tu prends et tu fais... Hop, tu fais rebondir. Tu parles. Attends, t'arrives comme un tas, là. C'est haut, hein? Catherine, c'est une star de l'alpinisme. Mais pour moi, ça restait Catherine. C'est une amie qui m'a donné l'occasion de visiter les beaux pays. Regarde, la Père Antoine, avec 30 ans de moins, toi, il fait assez gamin. Hein. Même que je fais du son, ou quoi. J'ai un micro dans la main. T'as un micro dans la main, ouais. Moi, on m'a proposé de faire un film sur Catherine. Voilà, moi, je connaissais pas le Bali. J'avais vu des photos de cette falaise et tout ça. Puis je savais qu'il y avait des gens qui habitaient au-dessus, en dessous, qu'il y avait vraiment une vie tout autour de cette falaise. Donc je me suis dit, tiens, ça va donner une autre dimension que de l'escalade pure. Catherine d'Estivelle commençait à être connue comme alpiniste et grimpeuse. Et tout de suite, ça collait entre Catherine et Lucien, justement, parce que comme elle grimpait en solo avec un rocher qui n'était pas toujours parfaitement solide, donc en solo, c'est-à-dire sans corde, Lucien l'emmenait avant pour lui faire découvrir les voies, pour apprivoiser le rocher. Tu t'en prêtes à la refaire ou bien on va se coucher au soleil tranquille? Regarde-le. Non, on va la refaire. On prend 7 heures. Allez, fiche. Ouais. Bon, d'accord, 7 heures. Je voulais vraiment rien qui lui arrive. C'est quelqu'un que j'y tenais beaucoup, c'était une amitié profonde. Hein. Ça aurait pu être ma sœur, par exemple. Hein. C'était quand même chaud ce qu'elle faisait. Quoi. Tu sais que la moindre petite erreur était mort. Quoi. Je me remettais tout juste d'un accident où je m'étais fracturé le bassin et la colonne vertébrale. Du coup, je me sentais assez vulnérable. Et Lucien a eu un rôle déterminant, je veux voir comme il est libre, quoi, enfin, dans sa tête, et puis c'était tout va bien, on prend le temps, puis que du plaisir. C'était un modèle différent, ouais, et inspirant. Toujours plutôt content, il n'est pas matérialiste, il n'est pas intéressé par l'argent, il est juste lui, et lui et lui. Avec voilà, sa générosité et cette façon d'être qui est assez enthousiasmante. Moi, quand on le voit, c'est ça, tout est simple. Hein, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Quoi. L'histoire avec Lucie est assez particulière. Depuis l'âge de 17 ans, elle commençait à m'en ressembler. Mais sa mère tenait bon que ce ne soit pas possible que ce soit moi le papa. Quand elle avait appelé Lucie, donc je me suis quand même inquiété, mais moi, j'ai fait confiance à sa mère, que pour elle, ce n'était pas possible. Il n'y a personne. Non. Ok. Certaines personnes me disaient, mais tu lui ressembles quand même beaucoup. Là, ça a commencé un petit peu à rentrer dans ma tête, et puis ça a pris 5 ans jusqu'à ce que je me dise et que j'aille vers lui pour lui proposer de faire un test de paternité. Et puis quelques jours après, j'ai reçu le résultat, et puis c'était sûr que c'était lui, mon père. Ça, c'était. Tu cours en haut, dis donc. Mais quand même. Mais bien secoué comme truc. Moi, j'étais persuadé d'être une fête série. Et d'un coup, ben, t'as une fille, donc t'as un truc un peu spécial. T'es plus tout seul, quoi, et il se passe quelque chose. Bon, là, j'ai l'impression que tu pourrais encore la faire, en gros.
C'est pas évident quand t'as 23 ans d'apprendre à connaître ton père. Donc on avait un intérêt en commun. On avait vraiment l'escalade. Alors on a pu passer des journées ensemble à aller grimper. Nickel. Ouais, ça va. Ouais. À l'époque, on aurait dit c'est des voies pour femmes enceintes. Bah parfait. J'ai remarqué que j'avais quand même des points communs avec lui. Par exemple, je suis souvent de bonne humeur. J'ai assez une importante joie de vivre en moi. Et aussi un côté assez sociable. Par contre, j'ai un esprit beaucoup plus cartésien. Oui. Je suis prof de physique et de mathématiques. Donc, c'est un peu un autre monde. Après, tu pourras retraverser à gauche dès que ça t'arrange. Hein. J'ai de la chance parce que Lucie est une passionnée. Ça n'a pas été facile, sa vie. Hein. Quand tu cours après un père imaginaire, c'est pas facile. Il faut que j'en tienne compte. Oui. Si tu lèves, si t'arrives à lever haut le pied, ça va. Ouais, alors ça, je sais pas. C'est ça le challenge. Maintenant, eh bien, je suis enceinte. Donc il va être grand-père. Et c'est encore une autre étape de la vie qui arrive. J'ai l'impression de vivre plusieurs vies dans une vie. Là, voilà, c'est encore une nouvelle. Et on verra bien ce qui nous attend. Je regrette beaucoup de ne pas avoir connu ma fille quand elle était gamine, ça c'est évident. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Je sais que j'aurais eu aucun problème pour m'adapter à cette histoire. Anti-vol, sinon, voilà. Les hivers ici, tu passes ta journée devant le feu, il n'y a pas trop de monde dans le village, donc je préfère partir. Et voilà. Comme ça ici, on est au salon, on cuisine et tout, et après je passe le salon à la chambre à coucher. Alors là, j'ai le meuble qui me tient. Donc, je vais ramasser ça. Voilà. Voyage, voyage. Voyage. Voilà. Voilà, 10 minutes, passer de la fonction utilitaire à camping-car. C'est bon. Donc, je n'ai rien oublié. Voilà, je m'approche de ma douce après 2 mois d'absence. Ben, je suis content de la retrouver. On est dans la Drôme. C'est assez joli. Tranquille. Et puis après, on va partir dans le sud. Comme chaque année. C'est un peu l'amour élastique après 2 mois d'absence, l'élastique il commence à être bien tendu. Donc je suis hyper content de la retrouver.
là. Alors, c'était un peu long tout ça. Pascal vient de Montélimar. C'est une fille qui est très passionnée aussi. C'est pas mal. Hein. Quelqu'un d'entier. Elle donne beaucoup de sa personne. Ouais. C'est une personne aimante. Tu triches pas avec elle. Ouais. Attention. Ouais. Donc, ben moi, ça fait un sacré moment que je n'ai pas mangé de fondue en plus. Bon appétit. Tu peux. Bon, tu rentres les deux chaises. Moi, j'ai rencontré Lucien en Thaïlande au cours d'un voyage. Et là, on a commencé à discuter. Et en fait, on avait eu un peu la même vie. On avait fait notre maison nous-mêmes. On voyageait. On était très près de la nature. On a une vie ensemble, mais où lui vit quand même en Suisse et moi ici. Et je pense que ce qui nous rapproche, en fait, c'est notre indépendance. À ce moment-là de l'année, octobre, novembre, des fois c'est décembre, mais on prend nos quartiers d'hiver, comme on va dire, parce que lui ne trouve qu'en Suisse, maintenant, comme il ne fait plus beaucoup de ski, il a froid, ça lui fait il a mal au dos et tout ça, et qu'il s'en est rendu compte que de passer l'hiver au chaud, ça évitait plein de petits soucis, et puis c'est super agréable, quoi. Ouais, non, vous avez vu, c'est vraiment joli, ces pics, quand même, là. Ah, c'est magnifique, ce coin. C'est cool, remarque, ça. Moi, j'aimerais bien en faire une fois. Ouais, c'était chouette, hein. Merde, mais comme ça glisse, hein. Tu tiens rien là-dessus, hein. Ben dis donc, tu tiens fais rien, gaffe, ça. Quoi. Quand ça glisse pour les pieds, des fois, ça glisse pour les mains en même temps. Avec Lucien, on ne peut pas voyager sans aller voir des rochers. On marche, on se baigne, on fait des choses. Mais il faut qu'au moins tous les deux jours, il y ait une falaise, quoi. Parce que sinon, il ne vit pas. Ben, c'est quand même sa vie. C'est pas trop dur, là? Non, non, ça va. Tu crois que je vais y arriver? Il y a des bonnes filles. C'est un peu rond, je trouve. Moi, je correspondais pas du tout à son critère de fille, quoi. Parce que c'était... pour moi, je suis petite, l'escalade, j'en avais jamais fait de ma vie. Un baudrier des dégaines, je savais même pas ce que c'était. Donc, j'habitais à 350 km. Bon, j'avais déjà plus 20 ans pour apprendre à faire l'escalade. Mais attends, il faut que j'enlève la dégaine, là. Tu me prends bien serré, hein? Ah oui. Parce que je suis pas hyper... Ok. Ben, pas si facile, finalement, hein, quand même. Non, ça peut... Par contre, c'est vrai que la vue, elle est super, quoi. Quand on part tout l'hiver, on est vraiment tous les deux et on est quand même 24 heures sur 24 ensemble dans cette voiture de 3 mètres carrés. Non, attends, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut enlever le blanc là déjà, sinon ça va pas. La manière. Non, la manière, il faut que ce soit bon quoi. On a une vie très simple. On ne peut pas se permettre d'être compliqué. Voilà. Bon, moi je me mets les pieds sur la table. Ma mère me dit toujours, vous allez finir sous un pont tous les deux, quoi. Tu en veux encore un peu ? Parce que on se fout du paraître et de comment on est, on veut juste vivre des choses intéressantes. On ferme. Bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Bon, on va aller où, alors ?
Hein? Mais on prend ta mère. Bon. C'est toi qui choisis. De toute façon, c'est une histoire d'une demi-heure. Ouais. Ok, c'est bon. On fait petite salle. Venir, si je pense que si j'avais été seul, ça aurait été plus difficile. Mais c'est vrai qu'avec la chance de connaître Pascal, pour moi, ce sera c'est plus simple. Hein. Ça, tu te poses beaucoup moins de questions. L'amour, c'est vital. Pascal adore les sentiers côtiers. Et puis, je trouve ça d'une beauté incroyable. J'ai pris goût à la mer aussi. Je pourrais toujours marcher au bord de la mer, mais non, je serais content. Il faut être contemplatif, émerveillé. Fais gaffe, par terre, c'est un peu glissant. La vieillesse, il faudra y passer. C'est un peu compliqué quand tu passes de chien fou à quelqu'un plus tranquille. Il y a les blessures qui arrivent. En escalade, il y a le niveau qui diminue. Il faut faire des deuils régulièrement. Ça, tu ne peux plus le faire. Petit à petit, il faut l'accepter. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Après, tu te dis, mais... Moi, j'étais déjà très heureux d'arriver à 40 ans. J'ai trouvé qu'après, c'était que du bénéfice. Parce que quand même, il y a eu l'amour m'a frôlé vraiment souvent. Il a chopé une grande partie de mes amis. Donc déjà, pour moi, c'est tout bénéfice à partir de 40. Alors maintenant, je suis en partir de 70. je peux pas me plaindre. J'espère que je vais devenir de plus en plus zen. J'espère quand même que je vais toujours pouvoir délirer. Mais ce sera peut-être plus doux aussi.